On est avec Gilles Delacour. Gilles, vous présentez Berry Félin vraiment bien placé au premier poteau et le cheval revient à main droite après sa prestation de Caen. Vous l'avez trouvé comment sa sixième place? Bah, dernièrement à Caen, on n'a pas eu le bon parcours. Hein. J'étais prêt à prendre la tête quand les deux adversaires devant moi se sont accrochés, alors ça a changé la physionomie de la course. Je suis resté parqué là, donc le cheval s'est plutôt très très bien défendu jusqu'au poteau. Bon, il est sixième, mais avec le parcours exécrable qu'il a eu, il tenait très bien sa partie. Vous l'avez parcouru depuis? Non. Bon, c'est un cheval qui a voyagé beaucoup en début de saison, là, hein, qui n'avait pas travaillé beaucoup par faute d'engagement cet hiver à Vincennes, mais après il a fait un peu de route et beaucoup de bons résultats. Donc je pense qu'il avait besoin de reprendre un petit peu de fraîcheur aussi. Et puis peut-être d'attendre vraiment ce bel engagement en tête à Reims. Voilà. Puis j'ai rien eu d'autre hein, pour le déplacer avant. Bon, ça fait un petit peu long sans compétition, quoi. Malgré tout, au travail, il vous laisse quelle impression? Bien, bonne. Hein, il est sorti travailler à Argentan, tout ça, il est sorti travailler sur des champs de course, mais bon, ça remplace pas la compétition, hein, évidemment. Oui, mais lui, c'est quand même un cheval très pratique, en pleine forme, il a 6 ans, il part en tête à Reims, il y a beaucoup de choses pour lui. Hein. Beaucoup de points positifs. Quoi. Hein. On peut l'envisager même aux premières places, sur le podium en tout cas? Bah, après, on a besoin d'un bon parcours pour se faire emmener, et puis tout ça, quoi. On volte à droite pour qu'il fasse attention un petit peu, après il tourne assez bien. Bon, il y a beaucoup de paramètres quand même qui va falloir surveiller de très près, mais l'engagement est bon et le cheval est bien. Maintenant, on part un petit peu dans le truc de dire on n'a pas couru depuis un peu plus d'un mois. Mais le déplacement est tout de même ambitieux. Oui.